je regarde tous mes messages et je reçois que des messages, c'est bien fait pour elle, vire là, mais explique. Je regarde tous mes messages et je reçois. Je ne peux pas expliquer parce que c'est contre mes valeurs et principes. Parce que si j'explique, eh ben je l'afficherai, je la rabaisserai. Et moi, je n'ai pas envie ni de l'afficher, ni de la rabaisser. C'est ma cousine, je l'aime, elle est dans mon cœur quand même. Là, je suis trop triste, elle n'est pas là. Je suis grave trop triste, c'est grave silencieux à la maison et tout. Cette décision, je l'ai prise à contre-cœur, mais je suis obligée. Parce que je lui ai pardonné plusieurs fois, une, deux, trois, quatre, cinq fois. Et t'as vu quand je partais, quand j'étais dans mon ancienne maison et je partais, je n'appelais pas pendant des deux, trois jours. Bah c'est exactement parce que j'étais en train de régler les problèmes qu'elle me foutait en fait. Elle me fout des gros problèmes à moi, elle me fout des gros problèmes à elle, elle fout des gros problèmes à chez moi. Et moi je veux pas, je veux pas. Et sinon ça va gâcher mon mariage. Que chez moi, je te mets au-dessus de ma tête, comme je sais pas quoi. Et au final, bah. Moi, je peux pas. En fait, moi, il faut que je reste dans le. Je dois pas être un poids pour moi. Et en fait, non. Je voulais l'aider sans qu'elle soit un poids pour moi. Je pensais pas que ça allait être un poids. Et en fait, c'est trop un poids. Elle m'a fait coup de traite. Beaucoup de coups dans le douce, beaucoup de coups de traite. Et ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Du coup, bah, c'est à contre-cœur parce que c'est pas la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois qui a me le fait. Et au final, bah, j'ai fini par prendre ma décision. Et ça y est, je veux plus. Et je dirai jamais tout ce qu'elle m'a fait. Je dirai jamais tout ce qu'elle m'a fait parce que c'est l'afficher. Je veux pas l'afficher. C'est ma cousine. C'est ma cousine. Je l'aime. C'est mon sang. On a le même sang. T'as beau dire ce que tu veux, on a le même sang. C'est tout. Voilà. Je pourrais pas. Je peux pas parler plus que ça. C'est tout. Voilà. C'est juste. Ça me fait mal au cœur. J'ai pris ma décision à contre-cœur. Même si tout le monde il est content que bah, j'ai pris cette décision. Bah moi, au fond de mon cœur, je suis pas contente parce que moi, elle va me manquer, parce que moi, je l'aime, etc. J'ai tout fait pour elle, j'ai tout fait pour. J'agis avec le cœur et au final, je me dis qu'elle, des fois, bah, elle n'agissait pas avec le cœur. On dirait qu'elle agissait en mode de, je sais pas, là où elle est, c'est pas grave, je parlerai jamais sur elle. Regarde, je t'explique, c'est quoi le jeu, tu comprends pas. Toi, t'es ici, c'est ton goal. Non, toi, t'es ici, c'est ton goal, moi, ici, c'est mon goal. Si moi, j'arrive à mettre le torchon dans ton goal, c'est moi qui vais gagner. On a trois chances. Si toi, t'arrives à mettre le torchon, ça veut dire que toi, t'as un point et t'as gagné. Toi, t'as trois points, t'as gagné, toi, j'ai trois points, et moi, j'ai gagné. Donc, ça veut dire après, toi, je fais un cadeau. Si tu perds, c'est moi qui t'achète un cadeau. Si tu gagnes, c'est toi, tu m'achètes. Si tu perds, toi, tu m'achètes un cadeau, si tu gagnes. Et moi, je cherche ta table. On commence assis. Deuxième partie,
crois que tu vas t'acheter des lunettes de soleil, je crois. Je suis pas sûr, j'hésite encore. C'est quoi le moyen? Parce que moi, je ne vais pas me gêner sur ce que je vais acheter. De foot, il rigole avec un autre joueur de foot, mais ils sont en train de jouer là dans le match. Puis il va pas dire ça compte pas, il m'a mis à but parce que j'étais en train de rigoler. J'ai la même chose. Attends, assieds-toi parce que tu triches toi. Vas-y, tu m'assois, mais ton fils est assez en fait. Alors, je t'explique, c'est qui l'arbitre? C'est lui. Lui, c'est l'arbitre. Tokyo, c'est l'arbitre. Lui aussi veut jouer. T'es l'arbitre, Tokyo. Lui, il est posé à ma chaise. Il est là, sa chaise. C'est l'arbitre, Tokyo. Viens, c'est un bisou de ballon. Un bisou de ballon. Ça fait quoi de te faire? T'es une tricheuse, t'es une haineuse. T'as mis tes mains, je l'envoie sur ta tête. Ça fait quoi de perdre mon petit cornichon? Tu vas m'acheter un cadeau et je veux que tu m'achètes le cadeau. Non, maintenant tu vas y aller. T'as dit que t'allais m'acheter, tu m'achètes. Moi, je serais parti maintenant aussi. Tu vas m'acheter un cadeau au mall et je vais réfléchir à quelle boutique. On fait une revanche. Y a pas de revanche. Quitte double. Non. On fait un quitte double ou pas? 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 T'as triché. Regardez ce quitte double. Normalement, c'est la partie avec la butte, elle est nulle. Où j'ai triché? C'est simple, on fait un quitte ou double. Non. Si tu gagnes rien et si tu perds deux, si tu gagnes deux cadeaux. Non, un cadeau ça me suffit, j'ai gagné. T'es trop dans la sécurité toi. Non, non.
Le meilleur lissage. Il n'y a personne qui a cette formule à part elle. Je l'ai fait sur M. Je l'ai fait parce que lui, à chaque fois, il a les cheveux flash. À chaque fois, il va payer des cheveux. Je ne sais pas combien au coiffeur. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère lui faire. J'ai les produits à la maison. Je lui fais, c'est facile. Il y a le guide d'utilisation. Il y a tout dedans. Enfin, je vais te montrer. Regarde, c'est ça exactement. Ça te revient moins cher que de payer 200-300 euros au coiffeur. Dis-toi que c'est facile de faire à la maison. Là, le lissage kératine au pépin raisin, c'est pour les cheveux fins. Et lui, c'est lui que j'ai fait et que j'ai fait à M et tout, à tout le monde. C'est le lissage café, c'est pour les cheveux épais. Il y a tout dedans. Il y a les pinces, le bocal. Il y a même un guide d'utilisation. Là, je ne l'ai pas. Mais il y a le guide qui t'explique, je l'ai perdu, qui t'explique vraiment tout comment faire. Tu as les gants, tu as tout. De la douche, tes cheveux ils sont lisses, t'as juste à passer le sèche-cheveux, les sécher ou sécher à l'air libre, pas besoin de passer les plaques. Ensuite de deux, t'es à la piscine, tes cheveux sont pas gonflés, tes cheveux sont plats, tu passes pas des heures surtout l'été à faire tes cheveux, non, t'as les cheveux direct plats lisses, c'est trop bien ça pour l'été, t'as les cheveux direct plats lisses, t'as juste à passer le sèche-cheveux, c'est rapide. Tu fais ton lissage qu'une seule fois. Et quand tu as des repousses, la repousse c'est du nouveau cheveu, automatiquement c'est du naturel. Faudra refaire encore le lissage au niveau des racines, mais sinon c'est une seule fois. Faut pas que tu fasses tous les mois au côté, tranquille. Tu fais ton lissage, ça te revient moins cher que de payer 200-300 euros à BCD. Tu le fais toute seule à la maison et tu peux le faire sur toute ta famille aussi. Là, j'ai une offre de ouf pour les 50 premières. Elle offre un botox, un soin botox, plus elle offre une pince, elle qui est juste là, en cadeau pour les 50 premières. Et il y a déjà moins 25% sur le site. Donc, il n'y a pas de réduc. Mais en tout cas, pour les 50 premières qui commandent directement, il y a ça de cadeau.
mon cadeau. C'est quoi? Une paire de claquettes Louis Vuitton, tu vas me la chercher maintenant. C'est ouvert, ça part ma mini. Oui ou non? T'as le seum, hein? T'as le seum que t'as perdu, hein? Non, t'as triché. Non, je vais pas tricher, menteur, il y a les caméras, il y a les vidéos. Il y a les caméras. Il y a les vidéos. Du coup, tu vas m'acheter ma paire de claquettes, là? Le modèle que tu veux, de toute façon, j'ai pas de claquettes Louis Vuitton, je crois. Non, j'en ai pas, vrai pour de vrai, j'en ai pas, tu le sais, de toute façon. Tu m'achètes ce que tu veux. Mais regarde avec le flash comment c'est trop beau. Mais regarde avec le flash comment c'est trop beau. Mais regarde avec le flash. On met un là. Comme ça. Ça divise. Ce petit logo là. C'est très bien là. Ça va être trop beau. Là, j'ai fait comme ça. Juste les trous là, je vais les combler parce que je les aime pas. Là, j'ai fait comme ça. Juste les... T'es sérieux? Tu regardes Tokyo là et tu m'as pas ramené mon cadeau? T'es sérieux là? T'es sérieux? Je t'ai demandé des claquettes, t'es sérieux là? T'es sérieux? Il mérite ce que j'ai fait. T'es sérieux? T'es sûr? Tu veux voir? T'es sûr? Hein? T'es sérieux? Il mérite ce que j'ai fait. T'es sérieux? T'es sûr? Tu veux voir? T'es sûr? Hein? T'es sérieux? Bah en fait, je l'aime bien, là. Je l'aime bien le sac, là. Tu m'as acheté un cadeau.
Enfin, mon cadeau que j'ai gagné. C'est vite, hein. Ton cadeau que t'as gagné en trichant. Ça se voit qu'on habite à côté du mall. Je suis trop con. C'est vite, hein. Ton cadeau que t'as gagné en trichant. Ça se voit qu'on habite à côté du mall. Je suis trop con. C'est vite, hein. Ton cadeau que t'as gagné en trichant. Bon, je vais ouvrir après. Je l'ouvre après, j'ai un cadeau pour toi, viens. Moi aussi, j'ai un cadeau. On s'aime, hein. On s'aime. Fais voir le cadeau là. Je sais pas. Fais voir, j'espère. Ferme les yeux. Vas-y, fais voir vite le sac. Tu penses que c'est un sac? Viens. Viens, mon époux, viens. Viens, mais viens. Le cadeau. Il est où? Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Oui. Cadeau. Ah, ça y est, j'ai plus d'énergie. Vire ton téléphone, c'est quoi ce truc? Ça, c'est pour que t'es confortable avec ça, te caresse les poils. Ah, attends, je l'ai plus. Ça, c'est pour que ça te caresse les poils, ça. Ça, c'est je vous ai dit, touchez pas ma PlayStation. Je vous ai dit plein de fois, arrêtez de toucher à ma PlayStation. Touche ma PlayStation, la touchez pas. Elle vient, elle vous touche. Non, elle vous touche pas. Pourquoi tu touches à mes affaires? Elle est pas humaine, c'est normal. Pourquoi tu touches à mes affaires? Arrêtez de toucher à mes affaires. Jure, c'est pas beau. C'est horrible, c'est éclaté, c'est moche. Wesh, comment je fais pour jouer, moi? Bah, t'as les boutons. Non, non. Comment je fais pour jouer, moi? Ça glisse. Lucera, je t'ai déjà dit 20 fois, arrêtez de toucher à ma PlayStation. Arrêtez de toucher à mes affaires. Arrêtez. Je voulais mettre des paillettes dans ta vie. Un million de paillettes, hein. Enlève-moi ça tout de suite, hein. Ça colle à mes doigts. Je voulais mettre des paillettes dans ta vie. Un million de paillettes, hein. Enlève-moi ça tout de suite, hein. Ça colle à mes doigts. Je voulais mettre des paillettes dans ta vie. Un million de paillettes, hein. Enlève-moi ça tout de suite, hein. Ça colle à mes doigts. Jalouse de toi. Mais regarde. Elle est jalouse de toi, la star. Moi, je suis jalouse d'elle. Ouais. Tu prends à qui, là? Attends. Je vais t'enlever, tranquille. Mais tu peux laisser ça au moins, on n'enlève que ça, hein, on laisse ça. Mais non. Viens ma chérie, je te soigne, je t'enlève tous tes bonbons. T'as rien demandé, viens de t'embêter ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de cadeaux jusqu'à ce que t'enlèves ça. Mais je rigole avec toi. Elle s'en a cassé. Elle vous a rien fait. Qui elle vous a rien fait? La PlayStation. Mais c'est qui vous? C'est qui elle? Elle, c'est la PlayStation. Touche pas la manette, vas-y bouge. Touche pas, vas-y. Mais je t'aide. T'es en train d'enlever la protection en plus, hein. Vas-y Usra, m'aide pas. Et j'ai payé ça pour rien? Comment tu les jettes? En plus t'as payé. Bah c'est pas gratuit. Donne, je vais enlever. Vas-y, vas-y. Donne, je vais enlever. C'est toi qui l'a cassé. Là, il y a la preuve, là, j'ai la preuve, c'est toi qui l'as cassé, c'est pas moi qui l'as cassé, là. Là, c'est toi qui l'as cassé, hein. Ça, c'est toi, je t'ai dit donne. Ah, ça, c'est toi, c'est pas mon problème, hein. En plus, je comprends même pas comment elle se casse. C'est toi, c'est pas moi. C'est toi, c'est pas moi. Tu le sais, ça. Allô? Je peux récupérer mon cadeau ou pas? Je t'ai dit, laisse-la moi la faire, c'est toi qui s'est excité, c'est toi qui l'as fait tomber en t'excitant, c'est pas moi. Je t'ai dit, laisse-moi. Non, je vais m'exciter, et vas-y, c'est bon. C'est toi. Non, mais est-ce que tu reconnais que c'est toi? C'est pas moi. Hein? Mais est-ce que moi, tu me pardonnes pour le rose? Mais est-ce que tu reconnais que c'est toi qui a cassé la manette? Là, mais est-ce que moi, tu me pardonnes pour le rose? S'il te plaît, attends, laisse-moi, je vais essayer de la réparer. Laisse-moi. Ok, mais est-ce que je peux aller récupérer mon cadeau, moi? Viens, prends ton cadeau. Ouais. Je croyais que ça allait te plaire. Ouais. La vérité, il s'était passé quoi par la tête? T'as dit, je vais faire ça, il va rentrer à la maison. It's a prank. Il va dire, ah ouais. It's a prank. Ça tue, j'aime trop m'appeler comme ça. C'est de la bombe. It's a prank. Ah ouais. Ah, allô, les gars, regardez. It's ah, a prank. It's a prank. Ouais. It's a prank. Mémec. 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 Contact par brise, tous les vitrages, si on t'a cassé cette vitre là, celle-là, dis-toi qu'il répare tout. Celle-là devant, les autres, ils te réparent tous les vitrages. Pour le pare-brise,
Visitera chez ton ancien pare-brise et n'importe quel problème, fissure, casse, cassure, en tout cas, et que le change. Qui te le répare à ton lieu de travail. Donc, si tu travailles et que tu n'as pas le temps de. Qui te le répare ou quoi, il vient en bas de ton lieu de travail ou à ton domicile. Tu as les enfants à garder ou. Je sais pas, tu es malade, mais tu dois réparer ton vitrage, ton pare-brise. Dis-toi qu'en bas de chez toi, il vient et te le répare direct. Toutes les assurances et la franchise, elle est offerte. Et il rachète ton pare-brise jusqu'à 200 euros. Toutes les assurances et la franchise, elle est offerte. Et il rachète ton pare-brise jusqu'à 200 euros. Toutes les assurances et la franchise, elle est offerte. Et il rachète ton pare-brise jusqu'à 200 euros. Toutes les assurances et la franchise. Cache-toi, j'attends qu'il arrive. On va voir s'il descend. Normalement, il est censé descendre. Mais cache-toi, j'attends qu'il arrive. On va voir s'il descend. Normalement, il est censé descendre. Mais cache-toi, j'attends qu'il arrive. On va voir s'il descend. Normalement, il est censé descendre. Mais cache-toi, j'attends qu'il arrive. On va voir s'il descend. Normalement, il est censé descendre. Mais cache-toi, j'attends qu'il arrive. On va voir s'il descend. Normalement, il est censé descendre. Il est là, il est là. Oh, il est venu plus. Il est là, il est là. Oh, il est venu plus. C'est plus bien, moi. C'est bien ma vie. Je te voulais juste pourquoi t'es venu pieds nus, t'es venu avec un extincteur. Je te voulais bien, moi. Tes blagues de nous, ah, je suis morte. Je veux faire quoi avec ça? Tu veux. Ah, t'es avec ça, toi. Prends, toi. Tes vieux prank de merde. C'est pas marrant. Tout le temps que des trucs, la PlayStation, je me fais frapper. Le jour que tu vas vraiment me frapper, je viendrai pas. Je crois que c'est un prank. Menteur, tu vas croire que c'est un prank, menteur. Vas-y. T'es pas drôle. T'es pas drôle, t'es embêtant. C'est pas drôle, c'est embêtant. Tu veux que je te dise la vérité? En fait, j'étais jalouse quand t'as dit ma chérie à l'appeler parce que même moi, tu me dis pas ma chérie. Ah, du coup, attends, écoute. Du coup, moi, automatiquement, écoute, Omni, écoute. Laisse-moi parler. Et arrête de m'interrompre avec des signes, écoute. Et du coup, ben, je voulais voir que si t'étais énervé, t'allais me défendre ou pas. Genre, même si t'étais énervé, j'ai touché à ta chérie, en parlant de la plaie, t'allais me défendre ou pas. Et du coup, ben, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et du coup, tu vas me défendre. Quel modèle de claquette, et si c'est pas une claquette, on va voir ce qu'il m'a pris. Moi, en tout cas, quand j'ai gagné le jeu, je lui dis que je voulais. Ma récompense, c'était une claquette. On va voir. Déjà, je tenais à te remercier. Merci, ma vie. Merci d'avoir acheté mon cadeau. Merci à moi d'avoir gagné, et merci à toi de m'avoir acheté mon cadeau et d'avoir joué le jeu. Merci. Ouais, c'est une paire de chaussures. À mon toucher, c'est une paire de claquettes. Je me demande, il m'a pris lesquelles. Ouais, c'est une paire de chaussures. À mon toucher, c'est une paire de claquettes. Je me demande, il m'a pris lesquelles. Ouais, c'est une paire de chaussures. À mon toucher, c'est une paire de claquettes. Je me demande, il m'a pris lesquelles. Ouais, c'est une paire de chaussures. Ah. Oh! Trop belle! Mais je rêve, t'as préparé que mon sac? Attends, je vais récupérer mon sac.
Quoi t'es dans mon dossier? Arrête de faire les cris, je vais te faire un câlin. Merci. Merci. J'ai archi pas triché. Arrête d'être mauvais perdant. En tout cas, merci. Merci de m'avoir acheté la paire de claquettes. Maintenant, du coup, j'ai l'ensemble. Merci, mon mari. Merci, mon mari.